Alors, je m'appelle Hugo Meunier, je suis cofondateur et associé du restaurant Le Relais. Antoine Baume, associé et cofondateur du restaurant Le Relais. Alors, au Relais, on mange une table locale et de saison. L'enjeu qu'on a donné dans ce restaurant, c'est d'être impliqué dans la révolution verte et donc d'avoir une démarche éco-responsable. On est convaincu qu'aujourd'hui, la transition écologique passera également par l'alimentation. Ce qui a été très important au début, c'est de sourcer tous les producteurs et artisans. Justement dans un système kilométrique le plus proche. C'est des menus qui changent tous les jours le midi, donc ils sont conceptualisés par le chef André. Tous les jours, on a entre 2 et 3 plats et 2 et 3 entrées par jour. Le soir, c'est des assiettes à partager. L'idée, encore une fois, c'est de faire vivre une expérience entre guillemets et de ne pas se restreindre à une assiette, mais de pouvoir goûter aux 13-14 plats. Donc un peu voilà, comme ça peut se faire en Espagne. On appelle pas ça tapas parce qu'on reste dans la localité, mais ce concept d'assiette à partager. Alors le midi, aujourd'hui on mange œuf parfait, patate douce, parmesan, ou poulpe de l'Atlantique, sauté, pomme grenaille, donc ça c'est en entrée. En plat, on peut avoir le risotto avec des pleurotes qui viennent de la caverne dans le 18e arrondissement à Porte de la Chapelle, ou encore un millefeuille de dorade épinard sauté que le chef a préparé. Alors la particularité de ce lieu-là, c'est qu'on a la chance d'avoir un toit potager de 250 m² dans lequel on a installé des modules verticaux qui permettent de faire pousser des aromates sur ce toit-là et dont le chef André, tous les matins, va cueillir des aromates ou des petites fleurs qu'il intègre ensuite dans le plat. Alors le relais restaurant se trouve au 10 rue de la Vacquerie, dans un bâtiment de l'antenne qui est finalement notre associé sur ce projet. Il faut venir au relais car aujourd'hui, faire la transition écologique passe par l'alimentation. Plus c'est prêt, meilleur c'est.